7 buts en 2 matchs. Oui, vous parlez pas de l'avant-dernier, vous parlez de celui. On a vraiment failli aujourd'hui à tout point de vue. On a fait une bonne rentrée de match avec une occasion nette au bout de 2 minutes de jeu. Une grosse occasion, c'est ce qu'on avait travaillé, passé sur les côtés. Et après, on a complètement perdu le fil du match. On a complètement déjoué. On a joué un peu individuellement et pas du tout collectivement. Et on a petit à petit perdu notre fond de jeu. On a eu des moments où on a bien réagi. Mais la réaction, en ayant laissé beaucoup de force à chaque fois pour revenir au score, ça a fait en sorte qu'on ne maîtrise absolument rien dans ce match. Nos attitudes défensives, on les a laissées contrer très facilement plutôt que de faire preuve d'intelligence par moment, de faire des fautes tactiques un peu plus haut sur le terrain plutôt que de les laisser contrer. On a raté à peu près tout ce qu'on a voulu. Voilà, c'est vraiment un match et un jour sans. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit aux joueurs, on n'a pas le temps de pleurer. On rejoue mercredi, on rejoue dimanche. Il faut tout de suite retrouver l'état d'esprit qui nous a permis d'aller nous imposer il y a quelques jours en arrière à Safiou. On avait fait un grand match, un match plein à tout point de vue. Aujourd'hui, j'ai pas aimé, bien sûr, ce match-là. On a complètement déjoué. Donc, à moi de tirer les enseignements et de mettre en place mercredi et dimanche la meilleure équipe possible pour réagir. Ouais, moi non plus. Non, c'est normal. Ben, je dis que c'est normal. Quand l'équipe prend 4 buts à domicile et perd un match, c'est normal que personne ne soit content. Je suis le premier très en colère par rapport à ça. Par rapport au potentiel de l'équipe, là, il n'y a pas, on va arrêter de parler de l'accumulation des matchs. C'est à nous de trouver les solutions pour être compétitifs, même si on a beaucoup de matchs à jouer, même si on a des pépins. J'estime qu'on avait suffisamment d'arguments pour offrir un meilleur visage que ce qu'on a fait là. Donc je ne suis pas satisfait.